intègre la palombine ou la costogana, je sais pas quoi. Ok. 8h56. Shadow, on attend ta... on attend le visuel que tu reviennes vers nous. Terminé. Il se déploie sur la droite. Putain, tu les voyais pas? Il n'y avait qu'un qui montait. Là, il était à 5 mètres. Ouais, c'est ça, ouais. Mais t'as vu, il était pas vraiment pas là. Je l'avais pas vu, il a d'abord tiré sur Shadow. On dégarpille? Dans la forêt parce qu'on a été pris à partie par
une sentinelle du camp des Rouges. Donc maintenant on revient légèrement sur la gauche parce qu'on était trop à découvert. Et on va voir ce qu'on arrive à faire pour mettre un assaut sur le camp rouge. Si vous ne réalisez pas cette mission, il ne restera plus que la bombe comme solution. C'est à l'endroit rêvé. Donc là, j'envoie Shadow sous un sapin là-bas pour nettoyer, s'assurer que il n'y a pas quelqu'un qui nous attende comme une merde pour nous fumer parce qu'on est très proche du corps adverse. Shadow vient de voir quelqu'un sous les arbres, sous les sapins, donc on va y aller tranquille. Risque de se faire blesser, mais on n'a pas le choix, faut qu'on progresse. Dans des grandes traverses, c'est vraiment sur des machins. Restez dans les chemins, les champs et les trucs comme ça. À partir du moment où vous voyez que ça fait un cul-de-sac, ne cherchez pas à tracer dedans, vous allez grave vous faire chier. Soit on la plante quelque part, soit la garde en attendant qu'il nous dise quoi faire. Ok. Tant qu'on peut, on peut la garder. Ok. D'accord. Si ça. Ouais, c'est bon, ça paille ta droite. Là-bas.
là sous le meurtre et tu la poses. Et puis la chouette s'enlève. C'est moi d'être con. Vas-y, moi. Allez, je protège derrière. Donc là, la mission commando repart. On va tenter d'aller attaquer le camp des Bleus, puisqu'on est très proche par rapport à la distance du camp des villageois. Et on va essayer de voir si on peut avoir des informations ou récupérer des drapeaux, des choses qui pourraient nous servir.
récup. J'ai testé mon coup. C'était une poule. Ok. C'est bon, t'es réparé. Il faut bien le tour. Allez, en avant. Il y en a un sur la gauche. Sur la partie là, sur là. C'est là, un là et un là. Contact à gauche, flanc. À peu près à 90 mètres. On est engagé. Donc là, c'est la merde parce qu'on a deux joueurs qui sont sur ce côté-là. Et un joueur là. Ah, il m'engage. La fuite en face. Merci. Il a pris la fuite en face. Contact. Contact. Il s'est retourné. En fait, on s'est tous roulé, donc on était au sol. Donc je pense que c'était plutôt pas mal. C'est pas censé exister. Putain, comment il va? Salut. Salut. Tu sais, mais j'étais là. Comment tu sais ça? Intuition. Après, je me suis dit aussi, c'est parti. J'ai dit un jour, il y a si c'est parti. Il y a. Faut tout de suite aller récupérer la bombe avant que l'équipe de Shadow la récupère, qui est désormais notre adversaire. Allez, go! Là, il a pas l'air d'être trop hostile, vas-y. Essayez-le. Thank you.
la bombe. Je répète, on a récupéré la bombe. Tu peux passer devant pour ouvrir. Tu peux ouvrir, Ronzo, il y a un PNJ, je crois. Passez devant moi parce que... Passez devant. Attention, hein, sur le côté droit. Bon, franchement, il y a... Allez, on est la queue là. Pas tout fini. Allez Ronzo. Allez Ronzo. C'est qu'on l'est. Faites gaffe au flanc droit, les gars. Comme hier derrière le camp. Merci. Les gars, 5 rangs Allez, remets-moi au jeu, on va laisser le fumer là. C'est au PA. Hein ? T'es au PA. Je suis au PA ? Ah bah c'est bien que tu me dis. C'est bien que je sache. Une contre-attaque sur le camp adverse. Et comme il fait chaud et on est quand même assez fatigué. Voilà, surtout ceux qui étaient là depuis vendredi. Là on y va doucement, tranquillement. Mais ils sont motivés, c'est bien, c'est bien. Qui sont devant.
Pardon. Le PRC, est-ce que tu es bienvenu? Eh, t'as un fusil dans les mains. Go, go, go. Les gars, on arrive. On attaque. Out. Ah non, mètres. Bah non, ouais, pété là-bas. C'est dommage, bien visé. Pardon, pardon. Est-ce qu'il y a encore Shadow? Vous leur avez roulé dessus en fait. Vous leur avez roulé dessus. Tiens, on a affronté deux équipes d'affilée nous. Ah mais dis donc, mais à 5 contre 10... Ah, c'est pas pour rien si on arrive maintenant. Ouais, ouais, un, 2, 3, 4, 5. Ça attend bien qu'on fasse 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, Donc la mission est réussie sur l'attaque, l'assaut. Simplement, on n'a pas trouvé Shadow, donc je pense qu'il est encore en coin. Ce sera la surprise. Arrêter l'attaque sur notre camp, donc ils nous attendaient en fait. Deux joueurs, un sniper avec peut-être son spotter. Bouille noire. Est-ce que vous avez récupéré la bombe? Non. Le champ, on aurait pu vérifier nous. Hein. Non, mais c'est pas grave. D'accord. C'est bon ça. Bon bah puisque je dois répondre, aucune. Honnêtement? Ouais. Je ne vais pas vous faire de grands discours. De la meilleure à la pire, vos options sont les suivantes. 1. Devenir les conquérants de Squirrel Woods. Éradiquer les ombres, les villageois hostiles et mettre hors d'état de nuire le Nuevo Rico sans faire usage de la bombe ou bien en empêchant son utilisation par nos ennemis. C'est pour la dernière mission et on a la bombe avec nous, donc on va peut-être voir si on décide de faire sauter le camp des paysans pour détruire Skywood ou si on fait un combat pour essayer de gagner par rapport aux adversaires. On voit que les joueurs n'ont plus toute leur lucidité puisqu'ils tirent contre les arbres.
qui vont revenir dans notre cul, du coup. Non, non, mais là, c'est les deux amis qui sont partis dans la cuvette. Ah non, non, je pensais que tu parlais de... Parce qu'il y a deux mecs aussi, deux méchants, là, qui sont à droite, là. C'est leur commande dessus. Derrière toi. Allez, c'est bon, on a le village. Intérieur, c'est nous. Bonjour, merci, je viens de te voir. Eh oui. C'est des règles sociales. Ah d'accord. Médic. Y'a où ou pas? Médic! Je fais le nœud parce que. J'ai encore essayé, Mickey, t'as toujours pas compris! Moi je pense que c'est ça. On dit pas connard, on dit espèce de connard, toujours mettre les formes. Vous limitez quand même. What's up? Tiens, fais-toi fumer par tes potes! C'est à nous là! Ça c'est mes potes. Eh, c'est tout bon dans le camp, hein. Ah, mais c'est pas sur nous qui tirait. Faut lui enlever ses répliques. Parce que dans deux secondes... Il a dit, t'as quand même pas un... HS. En fait, il veut même pas faire la règle qui suffit. C'est HS définitif. Il a 5 minutes, de toute façon. Là, il va exploser dans 2 secondes. Combien? La bombe, elle pète à 15h. Ah, bah là, c'est fini, là. Ici, on court vite, là. Il a mis la bombe pour l'amorcer. On s'en est bien occupé. Mais bon, heureusement, heureusement qu'il nous pressait de trouver la bras levée, il se remet en jeu. Ouais. Ça aide. L'alliance des deux camps a permis de remporter vis-à-vis des ombres. Donc, super journée. Tu rigoles? Maybe there's a God of love, but all I've ever loved on love was how to choose somebody who went through that. It's not a cry that you hear at night. It's not someone who's seen the light. It's a call. Broken, hallelujah, oh, oh.
Et on voit que les joueurs n'ont plus toute leur lucidité puisqu'ils tirent contre les arbres. La palombi ou la costoga, je sais pas quoi. Donc là, on aurait pu le vérifier nous. Hein. Non, mais c'est pas grave. D'accord. Je vais voir si on se trouve pas. On s'en fout de toute façon. On va avancer. J'ai testé mon flou. Mais c'était du cool. Je suis OPA. Ah bah c'est bien que tu me le dises. C'est bien que je sache.